Or quand l'esprit est fait, pour le chasser, c'est facile. Il y a des étapes en matière de délivrance. L'étape là, c'est de faire les aveux. Amen. C'est pour ça que la Bible est claire là-dessus. Dieu les a livrés publiquement en spectacle. Et quand il parle, lui-même, ça le délivre. Parce qu'il vient de briser un pacte. Parce que dans la confrérie, quand il finit de boire le sang et la chair, il mange, on lui dit tout ce que tu as fait, ne dis pas. C'est fini. C'est ça que vous allez voir les sorciers. Ils vont be- et puis il y a un truc qui est très important. Quand ils font la sorcellerie, ils ne vont jamais te dire les membres de leur confrérie. Là, ça ne doit pas se dire. Or, ici, on a interdit ça un peu, c'est là-bas en blaguant, parce qu'on ne voulait pas que c'est le sorcier même en question. Mais quand le sorcier commence à parler pour dire j'ai tué telle personne, j'ai fait telle chose, lui-même commence déjà à être délivré. Ça le libère. C'est pour ça que quand le sorcier finit de confesser, quand je suis convaincu qu'il a parlé, quand je le touche, ça se manifeste. Or, quand il ne dit pas totalement tout, il serait difficile. Même que je parle, mais l'esprit ne se manifeste pas. Donc c'est un grand pas. C'est pas parce qu'on les humilie, non. Ça fait partie de la délivrance. Ça va? Monsieur, ça va? Demande, tu es là pour ça. Oui, ça va. Tu es quoi? Là, oui, oui. On te regarde comme ça, mais toi-même, vrai. Tu es quoi? On a Facebook qui m'a dit. Là-bas, là, c'est pas ça qu'il demande. Tu es quoi? La vie qu'il m'a dit, elle est là. Il dit sorcier. C'est la question de poser. Il va vouloir habiller ça pour rendre ça joli. Vous ne voyez pas sorcier en parole. Ils sont des numéros 1. C'est pour ça que moi, je vois que je les prends, allons-y à l'essentiel. Or, il n'aime pas le lui. Tu es sorcier? Oh, le gouverneur. Oui. Donc, dans Gros, là, tu es sorcier. Gros, dormez les gouverneurs. Monsieur, tu es sorcier. Oui. Oui, non? Oui, là, il veut tourner, pour arranger ça. Prends ça joli. Tu es sorcier. Sorcier. Quand tu fais quelque chose, il faut être courageux de parler. Donc, dans Gros, là, tu es sorcier. Gros, toi, les gouverneurs. Oui, je suis sorcier dans Gros. Sorcier chez toi, il fait quoi? Moi, tout, Gougamé, il est là. Il est là, Gougamé, il est là. Non, sorcier fait quoi? Gougamé, il est là. Quand tu as cette maladie, tu ne peux pas dire bonnes choses. Tu fais quoi? Il est là. Il est là. Il fait quoi? Il est là, mais c'est ce qu'on a. Vous avez compris, non? Sorcier fait quoi? À mon côté, où il y en a là? Niosa, mon yagba. Il y en a un gaboka. Il a rien, où il gâte. Au taureau, ça a détruit. Ah! Donc tu as gros, tu gâtes, tu es sorcier. Un coco, il est là-dessus. C'est pour ça que les sorciers n'aiment pas mon appel. Oui. Mais la même question, je peux revenir 10 fois là-dessus. Tu vois sa sincérité. C'est important aussi. Donc tu participes, c'est toi qui fais partie des gens qui gardent gros. Un communicateur que dormir, oui, vous n'en mouillez. Ah, tout le village de gros est là. Oui, je ne vais pas. Ah, non, c'est comme ça on peut vous attraper. Tout le gros est là. C'est toi qui fais sorcellerie. Mon égout, mon père Goubert. Oui, il le fait. Maintenant, tu fais quoi? Oh, il va te mettre là. Il veut que tu me délivres. Tu veux délivrance? Le maladie, déjà. Attends, je vous en prie. Tu veux délivrance? Le maladie, tu es. Pour moi, délivrance, on parle dedans, hein? Oh, le maladie, il y a un espagnol qui te met là. Sors direct. Tu veux délivrer? Il m'a dit là. Il m'a dit. Hier, ici, le détecteur t'a pris, puis tu discutais. On jouait, on y est. La catastrophe, je m'en ai mis non. Il a dit. J'ai dit, mais la vérité. Hein? J'ai lié d'abord. Mais pourquoi? Mais là, et pourquoi? Il est monté là, il est monté là. On t'a fait.
forcé pour reconnaître. Ouais, tcha, mon amoué. Non, on ne m'a pas forcé. Mais pour y aller. Mais je ne sais pas. Quand vous m'avez laissé, c'est ça. C'est ça le mal. Il n'est pas ça. Donc je n'ai plus rien à dire. Je n'ai pas compris. Non, comme vous l'avez dit. On t'a dit, tu as, ce que tu as fait là, vous voyez ta maladie, tu es malade. Mm-hmm. Viens, on va te soigner, puis tu danses, on décrape. Oui, oui, il y a le goût de moi. Je dis, c'est bon, non. Je sais, il y a le goût de moi. Il y a le goût de moi. Je vous demande pardon. Tu viens délivrer. Parce que moi, on parle. On va le dire négatif dans le sac à comme tu veux être délivré. Comme dans délivrance, là, il y a parole dedans. Donc, on est d'accord. Ah, oui ou non. On est d'accord. Et ça, bon. Oui, oui. Il est où, gars, ça. Où, oh, il est où, oui. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Non, j'ai dit, il veut délivrer, on parle dedans. Là-bas. Est-ce qu'il est d'accord pour parler? Oui, là-bas. Non, je ne vais pas dire, ça. J'ai besoin de dire beaucoup de choses, mais délivre-moi. Je n'ai pas répondu à ma question. Oh, là, il est où, ça, on est là. Donc tu n'as pas sorcellerie. Il n'est pour aucun. J'ai ça. Ok. C'est moi qui vais te délivrer. Moi, je dis. Donc c'est ce que je veux là que tu vas suivre. Bon, c'est un remède. Mais que. Donc je t'ai dit, il y a des aveux dedans. Oh là-bas. Comment il a sauce. Donc tu vas parler ou tu ne vas pas parler. Oh là, il n'y a pas ou n'a pas. Je vais dire parler beaucoup pas. Est-ce que tu es prêt pour parler? Oh là, oui ou non? Il n'y a pas ou n'a pas. Ou un ou oh. Il n'est pas mis. Donc tu as vu que tu fatigues le délivreur. Et là-bas, il s'est comme on dit ça. Le délivreur, là, tu le fatigues. Mon Seigneur, c'est lui là. Et comment un était là. Comment tu as eu pour toi la sorcellerie? Ça, c'est un peu dit chez moi. Il est né à un sale nom donné. Wakai Momona, ou bien Wanyemo. Wakai Momona. Wakai Momona, ou Wanyemo. Voilà, c'est facile. Ou oh, Wanyemo, mieux. Il va expliquer pour quand ça soit joli. Oh, c'est vilain. Monsieur, tu es né pour toi. Ah, dis. Wakai Momona. Ah, mais c'est quoi ça? Je suis né avec. Tu vas rentrer ici, tu vas expliquer ces sorcelleries. Sois rentré ici, non, c'est-à-dire c'est sorcellerie. C'est pas votre nom, c'est sorcellerie. Toi-même, tu es convaincu que tu es sorcier. Il va quand vous avez le coup quand même. Dis-moi, exclume un peu, c'est fait délire, c'est délire. Oh là, il va venir, il veut dire ça. Tu peux. Il va mieux. Ah non, mais, comment ça t'a dit? On t'a forcé pour reconnaître ou bien? Oh, bah, ok, mon amour, moi. Non, non. Tu es né pour toi? Moi, quand même, non. Je suis né avec. Ok. Tu as fait quoi? Avec ça? Un corps de moi, il est non, non, là. Bon. Moi, quand même, non, il est non, non, là. Moi, quand même, non. Tu es arrivé, mais. Non, papa, il est venu, oh, t'es pas venu, il est venu, il est venu, il est venu, le camre mon nom tio be mon avio tio ni beti kama mi bo ka ni gwe kario. Il a fait quoi ça là bas gouon comme on aka mon il est non là gou amelo mon nom amo contre on y a la travelle. Ah, si c'est dans ton village dans longtemps il est en train de trembler, en train de c'est pas net devant vous. Hey, si tu es dans le courant ce soir, toi-même tu es en train de trembler quoi, pour parler, tu dis stop, tu dis n'y a pas eu de parler. C'est pas non ici. C'est non gros, si c'est gros. C'est tout de gros, tu allais faire pour parler.
Tu as gâté qui dans la salle? On va aller vite. Tu as gâté qui? Mais Pierre Pour. Alors, t'es où, là? Tu as gâté qui ici? Mais Pierre Pour, t'es. En t'es où? Nico Lika, Nico Bita. Je vois personne, je vais pas. Tu n'as pas les parents ici? Je ne veux pas. Je vois une fille de chez nous. Ah, ok. Donc, et les deux là? Ni n'a eu et son, moi, ça. Venez ici. Non, c'est comme ça, ils sont. Ils vont jamais lâcher ça. Lui, tu le connais? Il m'aime, moi. Oui. C'est que je ne savais pas qu'ils sont là. Sorcier, moi. Dieu, mon Dieu. Il Ils sont là. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Ils m'ont rien fait, mais ils ont tué. Comment? Ils sont vraiment. Comment tu as fait pour lui là? Moi, je suis là. J'explique le phénomène parce que ça paraît bizarre, je ne comprends pas. C'est aussi de la chépie des vivants. J'explique. Il y a une âme, un esprit et puis un corps. Le score ne sert que de l'enveloppe. Ce sont qu'il l'a rendu. Vous allez voir, en tant que scientifique, on dit qu'il l'a rendu. C'est-à-dire, c'est parti, le corps est resté. Or, en réalité, c'est ton esprit. Or, l'âme, c'est la partie vitale. C'est-à-dire, l'esprit ne meurt pas. Non, l'esprit part pour le jugement. Or, il ne touche pas ça. C'est l'âme qui prend, qui tue. Or, qu'un sorcier prend l'âme d'une personne, quand il tue la personne, la durée de vie d'une personne sur cette terre, c'est 9 mois. Ça ne t'est pas dépassé 9 mois. Tu ne peux pas dépasser 9 mois. Parce que l'homme même fait 9 mois dans le ventre d'une femme et tout ça pour l'être. 9 mois. Or, tu peux être là, on a déjà moyen ton âme et tu vis. Pourquoi? Parce que tu viens avec ton esprit. Mais ton âme n'est pas là. Or, c'est l'esprit qui est là. L'esprit te permet de vivre. Or, l'âme était déjà bouffée. Donc, tu vis avec ton corps et puis un esprit. C'est comme. Un animal, l'animal a une âme et puis un corps n'a pas d'esprit. C'est ça la différence entre un être humain et puis un animal. Donc quand quelqu'un dit, quand l'esprit, quand le sorcier te dit j'ai mangé, je l'ai bouffé, c'est normal, il peut être là. Mais il vit sans son âme. Et son esprit est là. Au temps fixé, parce qu'il ne va plus dépasser 9 mois. Si on n'a pas délivré Jésus. Si on n'a pas délivré, parce que c'est important. Jésus dit quoi? J'explique. Parce que la mort d'abord spirituel, c'est-à-dire d'abord spirituel, dans le spirituel, il est convaincu qu'il est mort, qu'il a tué. C'est d'abord spirituel. Or, ça doit se concrétiser ici. Donc quand c'est comme ça, il faut 9 mois. C'est-à-dire, si, il peut même vivre pendant 9 mois. Mais lui, il est convaincu qu'il y a des choses bizarres qui arrivent, telles que, vous voyez, telles que ça. Hein? Parce qu'il a dit, qui a fait ça? Oh, mais c'est moi qui ai ça. Comment tu as fait? Doucement. On n'a pas demandé à quelqu'un d'y aller là-bas. Laissez monsieur là parler. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un menu là. Il y a J'ai pris goudé et j'ai lancé. Il y a sommé. Oui. Donc physiquement, il va ressentir la douleur. Forcément, son corps a eu un choc. C'est-à-dire son âme, c'est spirituel. Le corps reçoit un choc. Donc on voit le choc. Mais en même temps, la personne concernée va réaliser que elle, quand elle dort, elle vit avec des personnes mortes. Non? Ça t'arrive? Ça vous arrive? Vous constatez que vous vivez avec des personnes mortes ou les gens morts. Ça veut dire son âme est déjà partie. Ça veut dire quelque part. Et tu es convaincu que quelque chose ne va pas. Ça ne va pas. Quand vous rêvez que chaque nuit, c'est-à-dire pendant une semaine, parce que vous ne pouvez pas avoir. Vous savez, je vous explique. Quand quelqu'un est mort, il est parti,
pour le jugement, bibliquement parlant. Amen. Parce que la Bible dit, il est prouvé une personne de mourir une fois après quoi vers le jugement. C'est ça qui est dit à nos parents d'Ida ici. Vos pratiques vont être danser les cercueils, vous pensez que ça attrape corps. Pourquoi vous ne laissez pas le corps lui-même arracher, aller attraper ces qu'on a tué. Or, nous savons ça, la pratique de la sorcellerie ici. Le sorcier lui-même, il est là, il peut faire mystiquement faire danser les cercueils et puis attaquer les innocents. Comme le cercueil t'a tapé une fois, boum. Non, c'est pas moi. Puis le cercueil fonce sur toi. Tourne et dit oui. Tu veux pas mourir. Tu veux pas mourir. On a vu ça ici, on l'a vu à Gueyo. Le sorcier est là, il est là. Et puis son pouvoir mystique fait tourner le cercueil. Puis ça coigne les gens. Le jour, il a pris l'esprit. Il a expliqué ça à tout le monde, il était dépassé. Ah oui, c'est un pouvoir. Mais comment il fait lui là ici, puis il va manger ton âme. Il a ce pouvoir-là. Il va ici, il voyage. Ils ont un pouvoir. Les sorciers, ils ont le pouvoir. Amen. Donc quand vous dormez, vous voyez des gens en rêve. Quand vous voyez mort même, quelqu'un qui est mort, qui vous donne même à manger, qui parle avec vous, évitez ça. Ces contacts-là, c'est pas biblique. Le mort ne doit plus avoir contact avec toi. Non. Quand vous rêvez une fois, deux fois dans la semaine, un corps, un mort repart chaque fois, commencez à comprendre que votre âme est en contact avec l'esprit de mort et c'est dangereux. On dit amen. Amen. Donc c'est toi qui as fait ça. Oh là, mon mien. Comment tu t'as arrangé pour faire ça? Il y a un peu de nez là. Ça me donne plus de quoi de vie. Ah oui, mais il faut dire. Moi, c'est non. C'est ce courage que tu dois avoir. Non, tout le monde. Tu fais que je dois avoir le courage, toi, tu n'as pas le courage. Donc, ça vient même. Il y a mal fait. Tout le monde sait ça. Pourquoi vous rentrez dans les détails. Si tu ne parles pas, je te lâche. Je vais prier pour les gens. Moi, je ne suis pas ton temps. Ce matin, tu as parlé de façon hier. Pourquoi tu as fait ça? Il a nous sommes venus pour. Il m'a pas dit quelque chose. Comme c'est la sorcellerie, c'est là qui m'a poussé, il fait ça. Oui, mais tu allais comment le taper? Il y a un peu 23 ans, et puis tu allais le taper. Il y a un coda, l'emblée. Et tu allais le manger. Il a dit quelle sauce là? Il a dit quelle sauce là? Tchétchera. Eh, pour tout. Il y a mon con. Les gars, ben, trop, ben, c'est que les viols, mais on va se faire ça. Il est un autre qui est à Divo, il demande à moi. Oh, ah, il est demain, toi, donc c'est ça qui t'a tué. Monsieur, vous voulez délivrer. Oh, mais quand il dit, combien quand t'as mangé ta viande, tu veux pas. Il y a ça aussi. Il a mangé sa viande. Et nous, humains, nous avons un cabé où il se passe. Pourquoi qu'on le lit? Nous, on va aujourd'hui, on va lui donner. Délivrer, il faut le délivrer. Tu l'as mangé? C'est dimanche. Oh, dimanche, oh, il a mangé. Hein? Il a mangé. Tu as fait quoi? Oh, il est là. Tu as mangé? Indié. Il te demande, moi il pose question, hein, il pose une fois même question. Oh, il a mangé. Quelle partie t'as mangé? Oh, il y a Dida. Oh, là, t'as Dida. Monsieur. Oh, là, t'as Dida. Oh, là, t'as Dida. Oh, là, t'as Dida. Pintre, moi, la pintio, toi. C'était pas doux quand tu mangeais. Puis le nom, un amen. C'est doux. Tu dis quoi? C'est dur. Mais c'est ça, quand tu fais les vieilles choses, Dieu te met à nuit un jour. Tu as mangé quelle partie? Encore, moi, il dit, on est un guillemot. Bagou lié, sang lié, gong lié, il est là.
Non, pire, tu vas savoir un peu pour aller ça. Mais pire, c'est que Paul, c'est que il explique où il a lancé, il a pris ce coup. Qui vient délivrer. Là-bas, on va te dire. Tu as mangé sur sa tête. Il dit non, gros. Tu as mangé son cœur. Il dit Paul. Tu as mangé tous les tribles. Il dit, mais là, ça va, quoi. Excuse-moi. Tu as mangé les testins, tout ça. Il avait, mais là, il s'en va, quoi, il dit. C'est pas ça. Il dit non, gros, Paul, il est venu à ça. C'est pas ça. C'est quoi? C'est ça, c'est vrai. Tu as peur de dire ça, pour toi? Les mecs, comme on regarde pas. Tu as fini de manger. Qu'on a fait là? Voilà, oui. Il y a 5 personnes dedans. Quoi, toi, ça fait 5. Moi, il y a 3 hommes et puis il y a 2 filles. 2 femmes. Moi, je suis là. On va régler ça après. Mais Agnès, vous êtes 5. Allez, vous êtes quoi? Allez, quoi, c'est ça, il va danser. Parce que le sorcier ne dit pas ses collègues. Moi, c'est 5, non? Allez, vous êtes quoi? Ah. J'ai touché la partie. Qu'on dit pas. Oh, là-bas chez eux, si on t'attrape, c'est ton problème. Pour même pas me dire mon nom. Oh, là, c'est quoi, oui. C'est de quoi. Ah, c'est là-bas. Nous sommes 5. Non, ça va sortir. Si je veux que ça soit, ça va sortir. Vous n'êtes pas rendre ça un peu truc. Sinon, ça va sortir. Si je veux que ça soit, ça va sortir. Tout de suite. Ça va sortir. Hein? C'est vous de gros, vous me disiez ça aujourd'hui. C'est moi qui dis ça. C'est moi crasso, hein. C'est moi vous avez banalisé là. C'est moi crasso aujourd'hui. Ça va sortir. C'est à cause de mon cœur de serviteur de Dieu, je vous écoute. Ça va sortir. Vous savez qui je suis. Vous avez pris les sorciers, vous courez maintenant, vous venez ici. Vous ne m'avez pas insulté, banalisé. Mais voici. Vous allez tourner. Moi, il y a la matière, c'est moi qui ai ça ici. Hey! Le voici. C'est parce qu'il est en train de mourir que je règle ça. Mais voici, ça va sortir. Mais voici. Vous avez banalisé, mais voici, vous êtes nez à nez. Quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous avez peur d'aller dans vos villages. On a maîtrisé, on allait organiser le football là. Vous avez foutu de Jésus. On se fout de Jésus là. Voyez comment Dieu laisse le village. Dieu ne se fout pas de lui. Voyez quand tu te fous d'un serviteur de Dieu qui quitte le village et vous ne venez pas lui demander pardon, c'est tout ce qui vous arrive. Parce qu'il ressent dans le cœur, c'est ce que Jésus ressent. Vous avez vu en direct comment on a détruit la termité, fait sortir le dragon tué. Ce qui maîtrisait vos villages. À cause de ça, il dit, ok, la rentrée scolaire, je vous ai donné l'argent, allez mettre les enfants à l'école. Parce que nous voulons que les enfants dans la région soient des cadres. On vous soutient pour que les cadres là suivent notre exemple. Je suis allé dans votre école officiellement donner l'argent aux gens. J'ai organisé une compétition de football pour que les gens reviennent dans leur village. Ils avaient peur de gros. Un petit village, tout le monde est sorti, la plupart sont sortis. On organise une manifestation spirituelle de Dieu. Vous ne prenez pas ça au sérieux, je quitte le village et vous profitez pour m'insulter. Vous voyez ça? Vous voyez ce qui peut arriver dans un village? Où on ne joue pas à Dieu? Tenez-vous debout. On va aller prier dehors. Tenez-vous debout. Allez-y, monsieur, allez-y. On va régler ça. Amen. Madame. Nous allons prier. Allez-y dehors, nous allons prier dehors. Allez dehors.